four, mon dernier paradoxe, pomme de fer. Ah mon dieu, qui me fait chier ce connard. J'ai galéré comme un fou, j'ai fait plus de 20 euros pour le trouver. Je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment refait. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis soulagé de le voir. J'en peux plus, je suis exténué, franchement. Je pensais pas que... qu'une recherche dans ce jeu allait me faire chier autant. Sans espoir limite. Je chassais presque machinalement. Et l'enfant là. L'enfant là, putain de merde. Il est capturé. Et j'ai tous les paradoxes de Pokémon violet. C'est bon. Je les ai tous. Ah putain. Oui. En plus, le pire, c'est que c'est mon préféré des 7. Et c'est lui qui m'a fait plus galérer. Oh là là, je suis trop content. Regardez ça. Oh, je suis trop content. Allez, on va montrer ses étoiles. On va montrer ses étoiles. Je sais pas combien de Pokémon j'ai généré, mais j'en ai généré aux âmes. 15 000, je pense. C'était un enfer. Je n'en pouvais plus. Je l'ai trahi pendant 3 jours. J'ai profité de mes vacances juste avant pour le chasser à fond. Je vais lui montrer des petites histoires, je trouve. Vite. On refait ça tout de suite. Et du coup, j'ai que des génies dans mon équipe, que des paradoxes. Je l'avais chassé en deuxième et j'étais tombé sur un pont. Et pour les deux phases, j'ai fait un chiffre de ouf. Je sais pas exactement comment j'ai fait, évidemment, parce que je compte pas, mais j'ai dû faire un chiffre de fou. Vraiment. Qu'est-ce que je suis soulagé, putain. Et enfin, là. Je vais faire une pression résumée. La 20e rencontre. Je n'en peux plus. Magnifique. Pudique de nature. Ok. Attends, c'est pas bien. Putain, j'ai... Sur les 7 paradoxes, j'ai 3 chaînes pudiques. Incroyable. Oh là là. Je suis trop content. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Je pensais pas que j'allais être aussi content de trouver un chenille sur ce jeu. Oh mon dieu, j'ai tellement... Même dans le... Quand je l'ai vu, j'ai paniqué, j'arrivais même pas à sauvegarder, tellement j'étais content. C'était un truc de fou. Oh la vache. Bon, en termes de durée, ça a pas duré très longtemps, parce que voilà, les chasses dans ce jeu, c'est très rapide. Mais... En termes de Pokémon vu, mais c'est hallucinant le nombre de Pokémon que j'ai vu. Je suis à plus de 15 vues, je pense. Je pense que j'étais à plus de 15 vues. C'est abusé. Mais je suis tombé sur lui, je suis trop content. Oh, je sais même plus quoi dire. J'ai montré Chancroma aussi. Je n'ai évidemment pas le Chancroma vu la phase de fou que j'ai fait. Je vais dire. Bon, maintenant,
vu que j'ai eu tous les paradoxes, je pense faire une pause sur ce jeu. Et je vais retourner sur des recherches une chose sur vinyle. Je pense. Parce que là, vraiment, comme de faire, c'était vraiment le dernier chenille que je voulais absolument voir sur ce jeu. Maintenant, je pense que je vais pouvoir partir tranquille. Partir vers de nouvelles aventures. Voilà. Oh là. Il est trop beau. Je pense que c'est mon préféré des 7. Bah, de toute façon, quand j'avais vu les formes sur 10, c'était lui qui m'avait tapé dans l'œil. Bon, là, je suis le pauvre. Je me trouve pour mon dernier jour de vacances. C'est parfait, maintenant je peux retourner bosser tranquille, c'est bon. C'est bon. Ah putain, qu'est-ce que je suis content de prendre, je te dis. Qu'est-ce que je suis content. Oh la vache. Je commence à devenir parano, j'ai même changé de sandwich en cours de route parce que je pensais que mon sandwich était bugué. Oh là là. J'en pouvais plus. Ah merde, il faut que je montre l'heure, c'est vrai. Attendez. C'est... En plus, quand il est paru, je l'ai vu de dos et je l'ai reconnu direct. Voilà, trop trop bon. Le chêne face à 3 pommes de fer. Le combat. Allez, je vous laisse. À très bientôt.